Allons voir à Cotonou le constat de cette rentrée fait par le maire et le préfet du littoral. Voici le reportage de Virgile Arrodéon, Igor Ayosso. Le périple de Jonathan Ao a démarré par l'école primaire publique d'Agbara. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre des actions visant à rendre visibles les réalisations des infrastructures dans le secteur de l'éducation. Au nom du conseil communal, je vous remets la clé ce jour. Nous avons procédé à la réception provisoire de plusieurs modules de salles de classe, notamment un module de 3 salles de classe à l'EPP d'Agbara, un module de 3 salles de classe avec bureau magasin équipement à l'EPP Niamboin, un module de 2 salles de classe avec bureau magasin et équipement à l'EM Boronin, un module de 2 salles de classe plus bureau magasin et équipement à l'EM Goro, un module de 2 salles de classe avec bureau magasin et équipement à l'EM Kika. Il y a un module de 3 salles de classe plus bureau magasin et équipement à l'EPP Bukusera, un module de 3 salles de classe plus bureau magasin et équipement à l'EPP Dabankwaru, un module de 3 salles de classe plus bureau magasin et équipement et un bloc de latrine à 4 cabines à l'EPP Bioamandou. Ce projet, c'est pour un coût global de l'ordre de 300 millions de francs CFA. Nous sommes occupés pour la fréquentation des enfants. Si un enfant n'est pas éduqué, il ne peut pas évoluer. Je souhaite aussi à la population de mettre les enfants à l'école, qu'au lendemain, que ça soit de meilleurs relais. Nous sommes devant un joyau ce matin, et ceci à la veille de la rentrée des classes. Les populations de Yébessi jubilent devant ce dispensaire réalisé sur fonds FADEC non affecté. C'est une grande joie pour nous. On ne va plus parcourir des kilomètres pour des soins. C'est déjà important pour nous. Covid-19 qui sévit, il faut les mesures barrières. Les cache-nez, les lave-mains et autres consorts. Mais le plus, c'est de se faire vacciner. Améliorer l'accès à l'éducation et aux soins de qualité pour les communautés à la base, c'est l'objectif visé par le plan de travail annuel 2020 de la commune de Kaourou. L'actualité, c'est aussi les questions d'eau et d'électricité qui sont passées en revue par le nouveau représentant de l'Agence française de développement au Congo et le ministre de l'énergie et de l'hydraulique, Maurizio Cassioli, reçu par Honoré Saïe, voudrait se faire une idée précise sur les activités financées par l'AFD dans ces domaines très sensibles du quotidien des populations. Reportage, Richard Tombé. Au cours de leur entretien, le ministre de l'énergie et de l'hydraulique, Honoré Saïe, et le nouveau directeur de l'AFD, Mauricio Cassioli, ont traité des activités financées et amorcées par l'AFD sur l'amélioration des conditions de distribution de l'électricité de bonne qualité et la desserte en eau potable dans les quartiers périphériques de Brazzaville. Nous avons évoqué dans ce cadre avec messieurs les ministres toutes les options qui sont devant nous pour accélérer la mise en œuvre de cet important projet et avoir des impacts justement sur les Congolaises et Congolais. Et nous avons également évoqué l'autre projet en cours qui porte sur l'adduction en eau potable dans les zones périphériques de Brazzaville. C'est un projet qui avance très bien et dans lequel, là aussi, il y a un objectif d'amener de l'eau de qualité aux Brazzavilloises et aux Brazzavillois. Ce projet est financé à hauteur de 120 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement. J'ajoute que l'Agence française de développement entretient également un partenariat avec le Congo dans le domaine de l'environnement, un partenariat qui a conduit Maurizio Cassioli chez la ministre Arlette Soudonono pour des échanges sur quelques dossiers d'importance capitale. Sarah Ambenzamokia. Nouvelle mois arrivé au Congo, Maurizio Cassioli, directeur de l'Agence française de développement, a tenu à échanger avec la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudonono, autour des dossiers importants en matière de protection de l'environnement. Nous portons la facilité Adaptation
depuis pratiquement 3-4 années, qui porte sur des projets de plan climat et autres, d'assainissement, sur le plan transversal avec d'autres ministères sectoriels. Et nous avons donc voulu faire un point de toute cette collaboration. Séance de travail, mais aussi une opportunité pour Maurizio Cassoli de réaffirmer l'engagement de l'AFD d'accompagner le Congo dans sa dynamique de protection de l'environnement, tout en mettant un accent particulier sur les changements climatique. Mais nous avons évoqué aujourd'hui des nouveaux financements qui vont être mis en place à partir de cette fin d'année et en début d'année prochaine, qui vont permettre au Congo de se doter d'une stratégie sur un sujet qui est celui des tourbières, qui est déjà très riche, que nous avons convenu d'approfondir, nous positionner en tant qu'accompagnateur, facilitateur des démarches qui sont portées par les gouvernements et par votre ministère. Cet entretien fait suite aux conclusions de la rencontre qu'a eu le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Kolonimakoso avec le directeur général de l'AFD le 1er septembre dernier à Paris, en France. Et justement, en rapport avec cette information, le ministre d'État en charge de la communication, Edgar Anissé Mboumbou-Miyako, a présidé une réunion stratégique à son cabinet ce matin. On l'en retiendra qu'il invite les entités sous tutelle à faire vacciner leur personnel contre la COVID-19. Plus de détails avec Patrick Simangoy et Dissorel Yakunda. Face à la situation sanitaire de notre pays marquée par la présence du variant Delta, plus contagieux et mortel, le ministre d'État à la communication et l'économie numérique, Edgar Anissé Mboumbou-Miyako, a instruit ce matin toutes les entités sous tutelle, Gabon Télévision, Radio Gabon, Agence Gabonaise de Presse, Télédiffusion du Gabon, Institut Gabonais de l'Image, la Société du Patrimoine et des Infrastructures Numériques, l'ANEF, l'ARCEP et bien d'autres, de mettre tout en œuvre pour un démarrage effectif de la vaccination contre la COVID-19 du personnel du département dont il a la charge. Ce personnel, qui compte en son sein des reporters et autres producteurs en contact permanent avec l'extérieur. D'où l'impérieuse nécessité de se faire vacciner, a indiqué le ministre d'État Edgar Anissé Mboumbou-Miyako, qui agissait ainsi au nom du gouvernement auquel il appartient, sous la direction de Madame le Premier ministre, chef du gouvernement Rose-Christiane Ouattara-Ponda. Cette décision des plus hautes autorités gabonaises s'impose ici à tous, a indiqué le patron de la communication et de l'économie numérique, car l'importance du vaccin n'est plus à démontrer. Le vaccin protège efficacement contre les formes les plus graves de la COVID-19 et nous garantit à terme l'immunité collective. Alors, allons-y de go. La situation est plus que difficile et c'est nous qui devons montrer l'exemple à nos collaborateurs. Dans l'intérêt de chacun, de chaque famille, le ministre d'État Mboumbou-Miyako, pour un retour à la vie normale, a invité les uns et les autres à faire preuve de volonté et à se comporter en responsable devant cette pandémie qui a pris notre continent et nos économies en otage. La campagne de vaccination contre la COVID-19 dans la grande famille de la communication est donc lancée pour s'achever au plus tard le 1er novembre 2021. Une instruction qui n'est pas négociable. La 5e journée nationale de l'évaluation des politiques publiques, on en parle. Un séminaire de formation a été organisé ce jour à l'endroit des acteurs de la société civile et étatique. Ces assises sont organisées par le ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance. Plus de détails avec Frédéric Yendamoukoula et Prestine Goyeman. C'est une formation des acteurs concernés d'une envergure capitale au regard des thématiques transmises à l'ensemble des participants. L'institutionnalisation de l'évaluation est un ingrédient essentiel pour l'atteinte des ODD, dans une vision de ne laisser personne de côté. Notre expérience de plus de 50 ans de coopération nous montre clairement que sans elle, l'on ne peut pas mettre en place des politiques efficaces, inclusives, qui permettent de transformer les conditions de vie des femmes et des enfants. Président des travaux de ces assises, le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, Francis Kayanzigué, a souligné le caractère éminemment importantissime, inclusif et pertinent
des concepts abordés. Les activités, pour ne pas dire les travaux qui nous réunissent, constituent des initiatives phares de l'agenda du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Les différents modules contenus dans ce séminaire synthétisent les initiatives fortes développées et mises en œuvre par le plan d'accélération de la transformation, le PAT. La politique nationale de l'évaluation doit permettre de diffuser largement la culture et la pratique de l'évaluation dans le but d'accompagner la gestion axée sur les résultats et le souci de redevabilité en faveur des populations. Au terme des échanges de plusieurs jours entre formateurs et l'ensemble des acteurs, la télé débouchera certainement sur une contribution efficiente à la politique nationale d'évaluation.